Et bienvenue sur TEPASCRAP. Alors, aujourd'hui, ça y est, on vous fait la présentation des lots. Tout est le plus gros et fait. Après, il y aura peut-être des petites choses qui vont se rajouter, mais ça sera, voilà, ça sera des petits plus, des petites découpes ou des petits embellissements, des petites choses qu'on va faire. Donc, voilà, on va vous faire la présentation du premier lot. Le deuxième lot sera à peu près identique, il y a une ou deux choses près. Et le troisième lot aura des petites choses en moins, en fait, hein. Plus on va vers le premier lot, plus il y a de choses. Voilà, on pourra après adapter si vraiment il y a quelque chose qui ne convient pas à la gagnante, qui me dit, bah non, ça j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, je sais pas, voilà, un élément, on pourra essayer de le remplacer par autre chose en fonction de ce que vous aimez. Mais voilà, en gros, c'est vraiment du rose, du chabi, du rose et du rose et un petit Et peu de rose. aussi du rose. Bon allez, on ne vous fait pas languir plus longtemps. On vous baisse et on vous montre. Allez, hop, c'est parti. Ouh là 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 là. Mon pied, c'est un pied artisanal. Tient pas toujours comme je veux. Alors. Ok. Voilà, c'est tout bon. Alors c'est parti. Par quoi on commence? Déjà, on vous a mis, ça c'est dans les trois lots. J'ai essayé de dispatcher pour chaque lot un petit peu de tous les motifs et de tous les coloris. Alors, c'est du papier texturé, c'est du papier recyclé. Donc, il y a différentes feuilles de papier. Voilà, cela c'est principalement beaucoup de roses. Il y a des quadrillages, des imprimés fleuris, des imprimés pailletés, des imprimés fleuris mat. Voilà, donc ça fait partie du premier lot. Et là, j'ai dû vous en mettre deux par couleur. Donc 2, 4, 6, 8. Il y en a 8. Il y en a 8 dans ce petit paquet. Voilà, ça fait partie du premier lot. Ensuite, je vous ai hop, mis des transferts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si c'était l'idéal de filmer comme ça. C'est bien. C'est bien, ok. Des transferts qu'on peut mettre sur du verre, de la céramique, même d'autres supports, ça fonctionne très bien. Avec des petits mots, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être mieux là. Hop. Oh là là, j'adore, etc. Plein de petits mots français, des fleurs, des petits motifs fleuris, des petites citations. C'est très sympa, moi j'en ai fait sur des bocaux. C'est très joli, ça rend bien. Alors après, évidemment, il ne faut pas passer au lave-vaisselle, hein. Un lavage à la main, ou c'est vraiment pour de la déco. Voilà. Ensuite, tu veux présenter la suite? Ok. Vas-y, ma On puce. présente pas ça d'abord? Après, non, tu vas le faire aussi après. Donc, on vous a mis un bloc de papier, donc 15-15. Donc, c'est Wonderful Roses. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les papiers à l'intérieur. Donc, c'est souvent des fleurs. Des motifs fleuris. Alors ce papier-là, je pense pas que vous l'ayez vu chez Action, puisque c'est un petit bloc de papier que j'ai trouvé chez Babou. Sauf si vous êtes habitué à aller faire un petit tour chez Babou. Voilà, des fleurs, encore des fleurs. Rose. Celui-là, il est Celui-là, on dans un l'a. bloc Ouais, 30-30. de chez Action, ouais. On a Oui. déjà vu celui-là. J'aime bien d'ailleurs. Ça et. Des C'est tout. motifs fleuris. Voilà. Un petit bloc. Ensuite, je montre ça? Ouais, si tu Ok. veux. Donc ensuite, on a... alors là, vous allez rien voir. Mais on a des petits pochoirs. Donc, c'est des pochoirs pour faire du bullet journal, vous voyez, c'est Artemio. Donc là, on a toutes les lettres de l'alphabet, vous ne verrez pas, hein. On peut Mais après, l'ouvrir. on a des petits dessins, Il y a des vraiment petites... il y a plein de choses, hein. Il y en a 20. Il y en a 20, donc enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'ai trouvé ça super. J'en ai pris un pour moi aussi. Donc, on aurait dû mettre un petit fond noir. Ça aurait été mieux. Non, on n'a pas de fond noir. On va mettre sur ça, sur le fond rose. Voilà, donc c'est plein de choses. Il y a des étiquettes.
chérie. Voilà, le mot week-end, c'est dans ce sens-là. Des petites fleurs, des cœurs. Enfin, c'est, voilà, il y a plein de des petits motifs. Pour c'est tous les goûts. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour du. Effectivement, c'est vraiment pour du bullet. Il y a même des petites clés, c'est joli. Ouais, c'est sympa. Hein. Il y a vraiment plein de choses. Hein. J'ai regardé l'autre jour, j'ai pris le temps de regarder. Il y a les vraiment. De l'alphabet. Il y a les lettres de l'alphabet. Les chiffres, en, les nombres en chiffres romains. Romains, ouais. Ah, vraiment, on ne va pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. T'as mis ça à l'envers. Ouais. Ce n'est pas grave, mais... Voilà. Les petits symboles de météo. Les petits encadrements. Enfin, voilà. Il y a plein de choses pour faire un bullet journal ou autre, hein, parce qu'on peut s'en servir aussi pour, oui. Comme pochoir pour une carte, pour plein de choses. Allez, hop, maintenant que je l'ai ouvert, je vais essayer de le remettre correctement. On remettra ça après. On remettra ça après. Bon, je regarde. Hop, c'est fait. Voilà, donc ça, c'est la marque Artemio. Mm-hmm. Donc voilà, il y en a 20. Donc ça, ça sera dans le premier lot aussi. Ensuite. Je vais montrer ce que... Oups. Pardon. Tu montres ? Vas-y. Ok. Donc ensuite, on vous a mis dans le premier lot des petits stickers comme ça. Donc c'est plutôt shabby. Ils sont en 3D. Hein. Donc on a des petits oiseaux, des petites images, des papillons, toujours des oiseaux. On a un petit mot. Il est trop beau, moi je l'adore cette carte. Ouais. Très bien. Ensuite, je vous ai mis des petites serviettes en papier. Alors, c'est pareil, elles sont très shabby, je ne vous les déballe pas. Vous verrez, vous aurez la surprise. Comme ça, c'est plus marrant. Je l'ai mis aussi dans le troisième lot. Ensuite, vas-y si tu veux. Ensuite, ça c'est des petites... Des petits embellissements. Voilà, en bois. Donc, c'est des petits oiseaux. Je trouve trop mignon. C'est Artemio. C'est ça aussi. Avec dedans un petit motif. Il y en a 4 dans le paquet. Ouais, c'est ça. Non, 3. 3. Oui, regarde, c'est écrit 3. Alors, il n'y a pas écrit 1, 2, 3. Et c'est écrit derrière, normalement. 3 pièces. Ah oui, 3 pièces. Donc voilà, vous avez 3 petits oiseaux. 3 petits oiseaux pour mettre sur. C'est bien aussi pour les albums, surtout pour, les. Pour plein de choses. Pour plein de choses. Ensuite, on a un petit bloc. Ça, c'est quoi? C'est du 15-15. Un petit bloc 15-15. Avec principalement des tons jaunes, gris. Noir, c'est un peu vintage. Il y a des très beaux, je l'ai pris aussi pour nous celui-là. Il y a des très beaux, ouais, il y a des très beaux motifs. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a les motifs sont là. Vers la porte. Là qui a ouvert la porte, c'est pas grave, c'est sa vie. C'est peut-être Monsieur Tepascrap qui arrive. Tu veux que j'ai fermé? Non, c'est pas grave. Du moment qu'elle aboie pas. Voilà, donc ça, pareil, c'est la marque MP. Vous savez, c'est la petite marque espagnole hein, qui font du scrap. Du scrap. Voilà. Ensuite. Ensuite, on vous a mis des petits embellissements. Donc, c'est des petits nœuds. Vous voyez que souvent, on peut faire avec des dies, mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le dies. Ouais. Donc, du coup, voilà, on vous a mis ça donc, dans le premier lot et je crois dans le deuxième. On verra. Oui, je crois aussi. Et donc, il y en a 4. C'est trop beau. Ensuite, on vous a mis un petit badge. Gorgeous. Trop mignon. Voilà. Ensuite. Alors, il y a Lola qui rentre. Qui fait plein de bruit. Lola. Lola, arrête les bêtises. Elle a envie de jouer. Elle joue avec son jouet. Voilà. Ensuite, on a des petits nœuds. Excusez-nous pour le bruit. On vous a fait des petits nœuds en simili-cuir. On adore en faire des petits nœuds comme ça. Des 3. 2 roses et 1 blanc. Des petits embellissements maison. Ensuite, on a mis des petites roses, donc toujours de la marque MP, des petites roses en tissu un peu, je sais pas, c'est un coton assez épais qui est enduit. Ça c'est le rend rigide. On dirait de l'organza. Non, c'est pas de l'organza. L'organza, tu sais, c'est très léger. Ça, c'est plus épais. Ah. Ils mettent pas. Ils mettent pas. Vraiment, alors, ça. Si, si. Non, ils mettent pas. Français. Non.
Fleur en tissu. C'est un coton très épais, enduit, très, très, très dur en fait. Donc ça, c'est super aussi pour mettre sur les albums, les pochettes d'albums, etc. Ensuite. Entre ça. Hmm. Donc ensuite, on vous a mis dans des tampons clear. Alors si vous n'avez pas le pack tampon clear là, pour mettre, pour coller les... Elles ont ça les filles normalement. Mais s'il y en a qui ne l'ont pas, vous pouvez faire avec des boîtes de CD. Ah oui, Eva elle a trouvé ça, ouais. Elle colle sur une boîte de CD, elle a donné ça, le petit truc à ses copines qui n'avaient pas de, le bloc acrylique en fait, transparent. Elle colle sur une boîte de CD et pff, impeccable, ça fonctionne pareil. Donc voilà, c'est un petit peu chabi avec des petites cages. Petite cage à oiseaux. Un cadenas. Une clé. Un autre petit cadenas, un lustre et une fleur. Ouais. Une fleur, on dirait un feu. Ouais. On dirait du feu. C'est pareil, si vous l'avez déjà, on pourra la changer contre un autre si on en a d'autres. Il n'y a pas de souci. Ensuite, un petit... Marque-porte. Ouais, un petit truc de porte, vous savez, pour dire entrer ou s'occuper. Donc ça, c'est gorgeous, pareil. Vous avez trouvé chez nous, j'ai trouvé trop beau, les couleurs sont magnifiques. Après, vous pouvez l'utiliser comme ça ou vous en servir pour scraper si vous voulez. Ensuite, on continue avec gorgeous. On vous a mis des petits stickers gorgeous Santoro. Trop joli, pareil, j'adore, ils sont trop mignons. Ils sont tout petits, c'est pratique pour faire les attestantes ou les petites... Vas-y, mon cœur. Ensuite, donc ça, c'est maman qui l'avait fait. Donc, elle avait fait un petit cintre, donc c'est un embellissement, où dedans, elle avait mis un tissu. Est-ce que tu avais vu un tuto? T'en avais peut-être fait... Oui, j'avais fait le tuto. Ouais, d'accord. J'ai fait le tuto voilà. Sur le scrap. Voilà. Hop. Ensuite, on va essayer de mettre de côté parce que sinon, il y a beaucoup de choses, hein. Vous êtes contentes, j'espère. Encore là, ensuite, mais... on vous a fait, enfin, je vous ai fait des petites fleurs. Je vais mettre en fond parce que c'est transparent. Des petites fleurs façon prima. Voilà ce que j'ai fait. J'espère qu'elles vous plairont. Donc, j'attends que vous receviez vos petites fleurs chacune. Et puis après, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment j'ai fait, si ça vous intéresse. Voilà, donc pailletées avec plein de couleurs différentes. Voilà. Ensuite, ensuite ça aussi. Je vous ai fait des fleurs, donc c'est que j'ai pris. Donc j'ai fait un dies. Enfin, on avait un dies et donc du coup, je les ai superposées. Donc j'ai fait des roses pailletées gold, des bleus et des roses. Ouais, tu les as un petit peu embossés aussi voilà, manuellement. Et donc, pour faire ça, j'ai pas du tout pris de découpe, j'ai pris des supports à cupcake. Ouais, les petits emballages. Les petits emballages. Et donc j'ai coupé une petite fleur dedans qui me plaisait, donc du coup je l'ai pliée. Voilà. Donc ça, très c'est joli. Moi qui l'ai fait. C'est très beau en plus. Ensuite, on vous a mis ça aussi. Alors, c'est du papier, c'est l'or de Bombay, je sais pas si vous connaissez. Ils font des papiers, c'est du papier. Non, c'est du papier naturel, c'est fabriqué à la main, hein. C'est fabriqué en Inde, c'est du papier recyclé. Et ils font toujours des très très beaux motifs fleuris ou bien un peu japonisants. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit motif un peu japonisant. Si vous préférez un petit motif fleuri, ouais, c'est un petit peu japonais. Rigolez, japonisant ben. Ouais, japonisant, ouais. Japonais. C'est ça. Si vous préférez un autre motif fleuri, j'en ai acheté plusieurs. Si vraiment ça ne vous plaît pas, on pourra voir avec vous pour changer. Voilà, donc ça c'est un papier. Alors il y en a 38 cm par 56, c'est une seule feuille. Hein. C'est bien pour recouvrir des albums, c'est super joli. Je monte ça. Continue. Alors, donc ensuite, on vous a acheté un petit carnet, vous voyez, avec des petites fleurs. Alors, oui. C'est à moitié en calque. Alors, attends, c'est quoi le devant, c'est quoi le derrière? C'est ça le devant. On vous a dit qu'il y avait des fleurs et du rose. Donc voilà, quand on ouvre, vous voyez, c'est comme ça. Et dedans, on a toujours des petits dessins de fleurs, des rappels du motif, ouais. Qui sont imprimés à l'intérieur. Il est beau ce petit carnet. J'aime bien. Hop, voilà. Ensuite, donc, on vous a mis ça. Donc, c'est pinces. Des petites pinces roses et bleues. Après, si vous voulez en faire des embellissements. C'est une bonne idée. Mmh. Ou si vous voulez attacher des petites choses aussi. C'est rose pastel et bleu pastel, elles sont trop belles. Hein, j'adore. Mmh. C'est belle. Ensuite. Tiens, tu peux présenter ça. Ouais, alors on a fait une petite bougie décorée. Alors,
C'est Marie, si je ne me trompe pas, Marie qui nous a Marie Bidouille, qui nous en avait envoyé une, qu'elle avait fait elle aussi avec une petite fleur. J'ai trouvé ça super sympa. Ça nous a donné envie. Ça nous a donné envie d'en faire. Donc Marie, j'espère que tu ne seras pas fâchée, tu n'as pas piqué l'idée. Voilà, une petite bougie parfumée, elle avait mis, ça sent trop bon. Ensuite, donc je ne sais pas d'où ça vient. Centre culturel Leclerc, j'ai acheté. Au centre culturel. Et donc, on a plein de petits tampons. Ici, donc, c'est pas des clairs, je crois. Non, c'est des tampons. Et donc, vous voyez, derrière, je vous montre ce qu'on a. Alors, ça, en fait, c'est Aladine qui fait ça. Je reprends Eva. Donc, dedans, vous avez un petit pad d'encre carré. Et puis, en fait, tous les petits tampons qu'il y a dedans, c'est ce que vous expliquez, Eva, c'est tout ce qui est représenté sur le autour. Voilà, donc c'est essentiellement des étoiles, des flèches de direction, des tickets, enfin voilà. C'est bien aussi ça pour les bullet journal ou même dans les cartes, dans les albums. Hein. Oui. C'est sympa. Donc il y en a beaucoup dedans. Il y en a beaucoup. 25, je crois bien. 26, ouais, t'as raison. Ouais. C'est Aladine qui fait ça. Il y en a 26 plus le petit encreur. Voilà. Ça fait partie de votre lot aussi. Après, je sais pas si on vous présente le reste. On vous a mis, si on peut montrer. Mais il faut qu'il y ait la surprise quand même, parce que sinon c'est pas marrant. On vous a mis des petites dentelles. Voilà. Avec dans un petit pochon avec des petits papillons. Attends, on n'a pas vu, je crois que tu avais baissé au moment. Ah, c'est vrai. Vas-y. Ensuite. Peut-être montrer ça, mon dos. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Sors-le du truc, c'est mieux. Je ne peux pas le casser. Il faut faire attention. Donc ça, on vous l'a démontré. Ça, c'est maman qui l'a fait. Donc elle a collé plein de feuillages avec des petits chatons. Et donc, c'est un petit cadre qu'on peut poser. Poser ou accrocher. Voilà. Voilà. Et puis, justement, comme on avait mis des chatons dessus, ça tu peux montrer maintenant. Voilà. Donc on avait mis des petits chatons. Donc on vous a fait un petit bouquet. Donc on a été ramasser les chatons à la plage. Voilà, parce qu'il y en a certaines qui ont la mer à côté de chez elles et qui en ont. Il y en a qui en ont pas. Donc c'est vrai que pour scraper, c'est super sympa. C'est vachement rigolo. On peut les coloriser aussi. Voilà, donc des petits chatons qu'on a été chercher à la plage. On va faire vite parce qu'on est déjà à 17 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on parle ? Et il est 12. On vous a mis aussi du ruban satiné beige. Et on vous a fait après des petites créas. On va vous montrer. Ouais. On a fait un petit cupcake qu'on est venu vous mettre dans une petite boule. Voilà. Un petit présentoir à gâteau. Les vrais gâteaux. Voilà, un mini présentoir à gâteau. Voilà, et puis après, il y aura plein d'autres choses. Mais ça va être des petites découpes, des petites choses. On ne vous les montrera pas, ça vous fera la surprise. Mais on vous fera une petite carte, bien sûr. Voilà, c'était la première présentation du premier lot. Je pense qu'on fera une autre vidéo pour le lot 2 et 3. Et 3, je pense. Et puis, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Voilà, et la prochaine fois, on fera le tirage au sort. Exactement. Alors, tic, 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 hop, je vous remonte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on vous dit à bientôt pour peut-être le lot numéro 2 ou pour le tirage au sort. Allez, bye bye.